Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, Alléluia, près du Dieu de ma joie, Alléluia. Ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami.
Psaume 103. Beau toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu dévoiles les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Tu prends les vents pour messagers, aux serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu es la corde du vêtement de l'abîme, sur les montagnes. Toutes les montagnes et des vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Séjourne près d'elle, sous la feuillée, il élève la voix. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes, la terre sera rassasie du fruit du ciel. Tu regardes les lèvres pour le détail, et les plantes du sage des fils des hommes. Luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a planté. C'est là que l'île de l'Isseron, sur le cime, la cigogne s'enchitre. Ô chamois des hautes montagnes, ô gerboises de l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les ciels des ciels que l'on est. La lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Et on s'enrichit sa terre, et réclame de Dieu la nourriture.
son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Faire tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tant avec sagesse tu les fais. Que les œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, et là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Retire leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont gréés, tu renouvelles la face de la terre. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Psaume 134. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Officiant dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur car il est bon, jouez pour son nom, il est tellement. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, en ciel, sur terre, au fond des mers. Ils ont monté du bout de la terre et des nuages, ils produisent avec des éclairs. Ils tirent le vent de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Pas les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail.
ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir d'âge en âge. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Les cieux et les mains au berger, une œuvre faite de main pauvre. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point, et pas le moindre souffle dans leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a battu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses serviteurs, et proclamé venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Dans nos sages, il deviendra plus sage encore. L'esprit de Jésus qui accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints voit dans l'intelligence. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, du livre de vie de Jérusalem, au chapitre « Au cœur du monde ». Pour vivre et signifier cette présence et cette distance, ton appartenance à Dieu et ta séparation du monde dans le monde, porte un habit monastique. Depuis toujours et partout, et même hors du christianisme, moines et moniales ont eu un habit enveloppant leur prière, disant leur pauvreté, signifiant leur consécration et leur appartenance perpétuelle et entière au Seigneur, exprimant leur simplicité de vie et leur communauté de sentiments. Ainsi en est-il pour toi. Aime ce symbole de ta communion avec les pères et de la transmission de leur esprit que ta vie, à sa manière, nouvelle et ancienne, prolonge aujourd'hui.
Ne cherche pas cependant à faire plus monastique que les moines, et quand tu vas à ton travail, comme eux, si nécessaire, en accord avec la communauté, sois en tenue de travail. Mais pour le reste, porte l'habit qui t'a été donné. Avec l'Orient, crois que l'habit façonne le moine. Avec l'Occident, rappelle-toi que lui seul ne le fait pas. Revêt ton corps et habille ton cœur. Habite ton habit. Moines et moniales, notre habit nous rappelle à tous que nous sommes des consacrés. En coule, tu célèbres la divine liturgie. En habit monastique, célèbre la liturgie de la table, de la cellule, du chapitre, du monastère. Toute ta vie est liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Je vous le déclare. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seigneur, je vais à notre Père Abraham, ne nous donner qu'à franchir la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple salut en rémission de ses péchés. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Esprit qui habite en nos cœurs.
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Thank you.